On va revenir maintenant à la question de l'itinérance parce qu'on a maintenant des chiffres en vue du, de la grande, du sommet de demain à Québec sur l'itinérance et ça a explosé dans certaines régions. La plus importante, c'est l'Outaouais, mais la deuxième, c'est les Laurentides. Oui, absolument. Des chiffres qui sont alarmants actuellement. On parle de plus de 10 000 personnes qui vivent cette triste réalité. Je retrouve ma collègue Marie-Lise sur le terrain. C'est ce qui ressort d'un rapport du ministère de la Santé et des Services sociaux. Marie-Lise, tu es allée voir à quoi ça ressemble dans les Laurentides. Oui, on vient tout juste d'arriver, Audrey, à Saint-Jérôme, donc ville importante des Laurentides. Et Jean-François, tu le mentionnais aussi d'entrée de jeu, c'est la deuxième région où le nombre de personnes en situation d'itinérance a augmenté depuis 2018. 2018 parce que c'est la dernière année où on a obtenu des données. Donc, pour l'ensemble du Québec, Jean-François, Audrey, on parle d'une augmentation de 44 % du nombre de personnes en situation d'itinérance. C'est énorme et c'est surtout attribuable à un enjeu dont on vous parle très fréquemment, l'accessibilité au logement, le coût des loyers. La raison numéro un qui explique pourquoi une personne pourrait se retrouver en situation d'itinérance, selon ce rapport, c'est qu'ils ont été expulsés de leur logement parce qu'ils n'ont pas payé le loyer. On en a discuté avec une personne ici à Saint-Jérôme qu'on a croisée, qui est présentement sans domicile fixe. Elle vit plutôt bien avec la situation, vous allez l'entendre. Qu'est-ce que vous pensez de l'abordabilité des logements, le coût des logements? J'ai été étonné de consulter le journal de Drummondville récemment et il n'y avait aucune annonce. Les logements, il n'y avait rien à louer. Alors, je peux même pas vous répondre sur cette question-là. Il n'y a quasiment plus rien à toi. Je suis parti de Trois-Rivières, j'ai pas pu rester parce qu'il n'y avait rien à louer dans le vieux Trois-Rivières. Il y avait des possibilités au Cap de la Madeleine, mais je ne me voyais pas m'installer au Cap de la Madeleine. Alors, on vient d'entendre une partie de son histoire. Il était d'abord à Trois-Rivières, s'est promené un peu. Audrey, pour la petite anecdote, on a croisé Denis, qui est la personne qu'on vient d'attendre, à Montréal il y a quelques temps. Donc, on comprend Montréal, Drummondville, Trois-Rivières. Et là, on vient de le recroiser par coïncidence à Saint-Jérôme. Une personne bien sympathique qui vit plutôt bien avec la situation. Mais on l'entend, pour lui, trouver un logement, c'est difficile. Il n'y a rien qui est abordable. Il a perdu le sien en 2021. Et regardons ensemble les données que vous allez voir apparaître à l'écran. C'est ce qui démontre cette augmentation des personnes en situation d'itinérance. Montréal, une augmentation de 33 % Capitale-Nationale, 36 % et vous voyez en quatrième position d'ordre sur le tableau, Laurentides, plus 109 % et l'Outaouais en terminant une augmentation de 268 % depuis 2018. Alors, des hausses qui sont considérables et surtout attribuables à la crise des logements. Merci, Marie-Lise.